Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter le site Guapsy. Alors Guapsy, c'est un site qui vend des comptes pour GTA V Online pour toutes les plateformes. Donc vous pourrez trouver des comptes selon vos différents besoins, avec plus ou moins d'argent, plus ou moins de niveau. Vous pouvez également directement, pour votre propre compte, acheter des services d'argent ou d'RP ou de tenue, par exemple. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, vous trouverez le lien dans la description. Eh bien salut tout le monde, c'est TutoHDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour vous présenter le tout nouvel éditeur de plaques qui est sorti par Rockstar aujourd'hui sur GTA V Online. Ça va remplacer l'ancienne application iFruit qui avait énormément de bugs et de problèmes, l'application à la fin ne se lançait même plus, ils l'ont supprimé du coup des différents stores, donc voilà, ça c'est venu pour remplacer, ils ont sûrement améliorer le système, j'ai l'impression que ça a l'air bien plus efficace et bien plus simple d'utilisation. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment le trouver, sur quel appareil vous pouvez normalement le lancer, et également comment créer une plaque personnalisée et la mettre sur votre véhicule. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ça aide beaucoup la chaîne et c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le feront comme d'habitude, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, je vais pas plus vous faire patienter, on va passer tout de suite au site qui va nous permettre de faire ces nouvelles plaques personnalisées. Alors pour commencer, dans un premier temps, il va falloir vous rendre sur le site des éditeurs de plaques, ça sera sur le site de Rockstar Games. Donc je vous mettrai directement le lien dans la description, vous ouvrez la petite description et vous cliquez sur le lien. Ensuite, une fois sur le lien, ça va vous mettre sur cette page, comme moi sur la vidéo. Donc normalement, vous pouvez l'ouvrir de n'importe quel appareil, que ce soit téléphone, tablette, PC, Mac, etc. Normalement, ça s'ouvre de n'importe quelle plateforme, c'est ça qui est bien. C'est simple d'accès et c'est utilisable normalement sur toutes les plateformes. Donc, vous faites se connecter. Il va falloir vous connecter à votre compte social club. Donc, c'est-à-dire le compte social club qui est lui relié à votre plateforme, donc c'est-à-dire que ce soit PlayStation, Xbox ou PC, ça sera le social club qui est bien lié à votre compte. Voilà, donc pour ma part, je me suis connecté à mon compte social club, vous voyez, il est relié à mon compte sur PlayStation 4. Et voilà, donc là on a le menu de l'éditeur, c'est aussi simple que ça. Là vous voyez, on a le nombre de plaques qu'on possède sur notre compte GTA. Là, nouvelle commande, il suffit de cliquer dessus pour créer une nouvelle plaque, et là, c'est les plaques déjà existantes. Donc là, c'est celle qu'on m'a mis par défaut, et ça, c'est une de mes plaques personnalisées. Donc, pour créer une première plaque, avant de commencer, rendez-vous directement sur GTA Online sur votre compte. Donc, vous allez directement en online, dans une session, et vous allez tout simplement prendre le véhicule, vous le sortez, vous roulez avec quelques minutes, pendant peut-être 2-3 minutes. Le véhicule sur lequel vous souhaitez mettre une plaque personnalisée. Après, on s'en moque, normalement, une fois que vous avez customisé votre plaque et que vous l'avez commandée sur le site, vous pouvez normalement la récupérer et la mettre sur n'importe lequel de vos véhicules sur GTA Online. Ça marche normalement sur tous les véhicules qui possèdent des plaques apparentes. Donc pour ma part, comme vous le voyez, j'ai sorti ma Tundra Panther. Donc voilà, j'ai roulé un petit peu avec, c'est l'Alpine. Et donc je vais aller créer ma plaque personnalisée pour ma Tundra. Donc on repasse sur notre appareil, donc PC ou téléphone ou tablette, peu importe. Donc là on est de retour dessus et on va cliquer sur nouvelle commande. Donc là faut bien être resté en session en ligne, hein, c'est important, si votre console est éteinte ça ne fonctionnera pas. Donc là faut être dans la session en ligne avec le véhicule où vous voulez faire la plaque, pardon. Donc on fait nouvelle commande, donc là vous avez le texte que vous voulez mettre, donc pour ma part je vais mettre juste tuto. Ensuite là vous choisissez l'arrière-plan de la plaque que vous préférez, donc pour ma part je vais mettre celui-ci par exemple, ça n'a pas d'importance, après c'est selon vos préférences. Là vous avez même si vous voulez un aperçu du véhicule, si le site ne bug pas bien entendu, parce que vu que c'est récent il peut y avoir quelques bugs, c'est normal, voilà donc. Moi, vous voyez, ça, c'est super classe ce qu'ils ont fait. On voit un peu ce que ça donnera sur un véhicule. Ils se sont complètement amusés à faire une modélisation. Vraiment, c'est assez classe. Je trouve que c'est bien mieux qu'iFruit pour l'instant.
Donc là, une fois que vous êtes satisfait de votre choix, vous faites suivant. Là, vous sélectionnez votre véhicule, du coup. Donc là, vous avez la liste des derniers véhicules que vous avez utilisés. Donc pour ma part, là, il y a la Tundra Panther. Donc je clique dessus, je la sélectionne bien. Là, il vous précise bien, voici les derniers véhicules personnels que vous avez conduits. Une fois installé sur ce véhicule, votre nouvelle pack peut également être installée sur les autres. C'est ce que je vous disais juste avant. Et en dessous, on a une petite annotation. Rejoignez une session de GTA Online avant de passer commande. C'est ça qu'ils nous disent et qui est important. Donc moi, c'est le cas. Donc je fais commander. Commande reçue. Passez à Los Santos Custom dans votre Tundra Panther pour faire installer vos nouvelles plaques. Donc là, je retourne sur ma console. Donc on est de retour sur la console. On devrait pas tarder à recevoir un petit message, un petit SMS pour tout simplement pour nous dire d'aller rechercher notre plaque dans un custom. Donc normalement, n'importe quel Los Santos Custom ou atelier de customisation dans vos bâtiments, ça devrait aussi fonctionner. Voilà, ça y est, j'ai reçu la petite notification. Amenez votre Panther chez Los Santos Custom pour que nous puissions traiter votre commande. Donc moi, je suis déjà un custom, donc c'est parfait. On va rentrer dedans. Et là, je peux la réparer. Et voilà, traiter la commande pour 0$. Donc c'est gratuit, en plus de ça, c'est cool. Je sais pas si c'est pour une durée limité que c'est gratuit, mais rappelez-vous, pour les connaisseurs, ce qu'ils faisaient sur iFruit à l'époque, c'était payant. Il me semble que c'était 100 000$ par plaque. Et là, c'est gratuit. Donc ça, c'est génial. Et j'espère que ça va perdurer dans le temps. Donc, on clique dessus. La commande passée chez Los Santos Custom a été traitée. Votre véhicule a été modifié. Là, vous patientez et normalement, elle se met automatiquement sur votre véhicule. Voilà, vous voyez sur mon écran, on voit bien la plaque juste là. Et dernière chose, du coup, si vous voulez faire d'autres modifs de plaque, vous pouvez retourner dans un custom. Donc moi, je vais vous remontrer. On retourne dans le Los Santos Custom et on pourra aller changer nos plaques personnalisées si on en a d'autres, par exemple. Donc, plaque. Vous voyez, j'ai mes autres plaques personnalisées. Et c'est ça qui est bien, du coup, là, si je ramène un autre véhicule, j'aurai aussi ces deux plaques, enfin ces trois plaques personnalisées de disponibles, je peux les mettre sur tous mes véhicules personnels, normalement sans aucun problème. Voilà, on peut switcher les plaques. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche des notifications. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde, et à plus pour de nouvelles vidéos, bye!